encore au train là. Mon dieu. Catastrophe. Avec tout ce que j'amène. Donc là j'ai mon masque, mon ukulélé, ma valise et mon sac. Quand je pars quelque part un ou deux jours, c'est l'enfer. Donc là j'attends mon train et ensuite je vais en direction d'LA. Donc c'est le train qui part par là. Donc c'est pas le côté où j'aime bien descendre. Mais tant pis. Donc c'est parti. Il y a un car chaud. Donc d'abord je vais à l'hôtel récupérer mon hôtel. Ensuite je pose toutes mes affaires, parce qu'il y a deux questions, je me trimballe ça. Et ensuite on va au car chaud. Et ensuite on va à la soirée. C'est bon. Je fais une pause et je vais prendre mon lift là. Je suis à la gare. On y va. Bon, les amis, je suis arrivée dans ma chambre. Donc, je suis à Los Angeles. Particulièrement dans la ville où il y a le show ce soir. Donc, vous voyez là. Ah mon dieu, j'ai ma valise et tout, je n'en peux plus de voir. Il y en a marre. Donc ouais, je suis là. Et voilà, je sais pas si je vais me changer ou pas parce que là, mort de rire quoi. Je crois que je vais plutôt me changer parce que contre, la vue elle est pas terrible. Hein. Gardez la vue. C'est pas terrible terrible, on a vu, on n'a pas une bonne vue. La chambre elle fait pas peur, tu vois, c'est une chambre normale. Pour 100$, ça va, c'est cool. Voilà. C'est pas un truc de ouf, hein, mais bon. Ça me permet de rester ici en fait. Ici parce que j'habite au Shandside et c'est à 1h20 du show où je vais ce soir. Donc du coup, bah, je suis obligée de dormir à Los Angeles par sécurité parce que mon train est demain. Et puis particulièrement, j'ai un autre show aussi. J'ai un autre show. J'ai un autre show ce soir. Ce soir j'ai un show et demain j'ai un autre show. Donc c'est pour ça que je reste à l'hôtel. À la vôtre. Voilà, peut-être que je vais me changer, je sais pas. Allons voir si on se change, je sais pas. Je sais pas du tout si je me change. Puis il n'y a pas de lumière là-dedans. S'il y a une belle petite lumière. Donc je sais pas si je me change ou je reste comme ça ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas les amis. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Mais bref, je vous emmène avec moi après. Parce que je garde de la batterie pour après. Mais les amis, j'ai changé. Putain, j'arrive plus à parler. Du coup, les amis, j'ai changé de tenue. Parce que je préfère cette robe-là. Je la trouve trop belle. Puis en fait, il y avait un cordon. Mais j'en ai marre. Donc je l'ai attaché derrière. Comme ça, ça ne gêne pas. Et j'aurai ça pour ce soir. Donc voilà. Je suis maquillée. Mon bleu rouge à lèvres qui est là. Et ensuite on est parfait. Donc là du coup on a un avance. Je vais aller au car show. Donc c'est à 15 minutes d'ici. Je vais arriver et après je reviens. Oula, après je reviens au show. Parce que le show c'est ici en fait. Donc voilà. Et voilà, je suis habillée pour ce show là. Je me rouge à l'aise que de l'autre fois je me suis
je savais pas, les amis, c'est que j'ai voulu aller au Carrefour. Et quand j'ai commandé un Lyft, donc un Lyft, c'est quoi? C'est comme un Uber. C'est un driver qui vous emmène où vous voulez. J'ai commandé un Lyft. La dernière fois, je suis partie à la soirée samedi dernier, ça m'a fait pareil. Genre, j'ai commandé un Lyft et le gars, il m'a annulé au dernier moment. Il me disait, ah bah oui, c'est bon. Et après, il annule 3 fois. Je dis, eh, c'est bon. J'ai attendu 1 heure après la soirée de samedi dernier, donc tout le monde était parti. En général, les gens, ils restent 20 minutes dehors, c'est tout. Et moi, j'étais toute seule au bout d'une heure. Il était 3 heures du mat dans Los Angeles. C'est-à-dire que quelqu'un aurait pu me tuer, quoi. Ils ont des armes ici. Ils ont des fusils, ils ont tout. Un mec qui est bourré, il passe en voiture. Imagine, il a une mitraillette, il me tire dessus. Enfin, j'imagine le pire, mais ça arrive parce qu'ici, les armes sont, c'est légal. Et donc, je me suis cachée en fait derrière la soirée. T'as les escaliers, t'avais un petit coin, personne ne te voyait. Il y a juste des gens qui sont passés, ils ont vu que j'étais là. Et après, j'ai trouvé 3 garçons, donc 3 de mes amis qui étaient à la soirée. Ils m'ont dit, bon, on te laisse pas toute seule. Donc, ils sont restés avec moi jusqu'à temps que le Uber y vienne. Mais comme quoi, le Uber, je l'ai appelé, il a annulé au dernier moment. Donc, tu vois. Et là, j'ai voulu. Je suis à Montebello, la ville. Et en fait, ce qui est drôle, les amis, c'est que je ne savais pas, j'ai pris ma chambre d'hôtel dans cet hôtel-là où je suis là. Je vous explique, j'ai pris ma chambre d'hôtel. Et c'est 438, le numéro de la rue Potrero Drive, ou je sais pas quoi. Et le show de ce soir, c'est 434. Donc je me dis, bon, là je me suis apprêtée, j'allais pour partir au Carrefour. Donc je descends et tout. Et puis je me dis, tiens, je vais regarder où est le show ce soir, parce que je ne savais pas. Je sors de l'hôtel à peine, je passe la porte. Il y a une espèce de pièce, là t'as l'hôtel, la sortie. Tu marches un peu, là t'as une pièce, je sais pas, c'était genre un espèce de truc fermé. J'entendais des gens parler. Et je me dis, c'est quoi ici? Enfin, je croyais que c'était à l'hôtel le truc. Et il y a marqué 434, c'est-à-dire que tu sors de l'hôtel, tu marches quoi? Même pas 2 cm, t'es là. T'es juste au chaud. Là, t'as l'hôtel. Là, t'as l'hôtel, tu marches 2 cm et t'es dans le show de ce soir où il y a tous les groupes qui jouent. Donc, alors là, j'étais choquée. Je me suis dit, mais j'ai booké la meilleure chambre, la meilleure room, parce qu'en fait, le show de ce soir, il est dans l'hôtel. Carrément, tu sors de l'hôtel et c'est dedans. C'est un truc de ouf. Pour une fois, j'aurais pas à conduire. J'aurais pas à attendre 3 plombes le Uber qui mettent 2 heures à venir pour venir me chercher et m'amener quelque part. Donc ouais, ce soir, je suis trop bien. J'ai l'hôtel et tout ça. Je suis trop bien. Parce que d'habitude, j'ai une voiture, mais ma voiture est cassée, comme je vous l'ai dit avant. Donc je suis trop contente. Ah, c'est la meilleure journée. Mes amis vont arriver là. Ils sont tous en train de m'appeler. Ah, t'es où? T'es pas allé au Carrefour de Los Angeles? Parce qu'il y en a qui sont au Carrefour. Et non, je dis, je peux pas parce qu'il n'y a pas de lift. Et donc, ils arrivent au show ce soir. Il est 7h là, 7h04. Vous voyez? Et donc, à 8h, ça commence. Ah, je suis excitée, un truc de ouf. Oh, c'est un truc de malade, comment je suis excitée. C'est un truc de ouf. Donc, je vais vous filmer ce soir. C'est parti. Go!
Where?
get on stage? Yeah! Let's go sing a bomb of boys. Here we go. He has his own mom too, yeah. Rachel, where's my girl Rachel? There she is. Yeah, there she goes. Yeah. We have Fabina here tonight, Sarah. Amis, deuxième jour, on est dimanche. Hier c'était samedi soir, donc je vous fais une vidéo deux en un parce que là c'était samedi soir, il y avait un show de malade. Je me suis grave éclatée, c'est la première fois de ma vie que j'ai dansé autant. Et là on va voir, là je suis habillée parce que j'ai changé, j'avais une robe jaune hier, là j'ai mis ma robe noire. J'adore cette robe, elle, ça fait un peu grise, j'adore. Et donc je vais, là je suis à l'hôtel, je m'en vais là dans 20 minutes. Et je vais voir les Delta Bombers, donc c'est un groupe populaire aux États-Unis. Ils jouent partout dans en France, au Japon, ils ont joué partout. Et je les ai vus dans le Carchou la dernière fois. Donc là ce soir ils jouent à 4 ou 5 heures de l'après-midi, un dimanche de 5 heures à 8 heures du soir. Et après j'ai mon train à 22 heures jusqu'à minuit. J'arrive à minuit au Oceanside. Donc ça va, je vais pas trop dormir, mais voilà, je travaille demain avec les enfants. Mais c'est pour la bonne cause, je vais les voir dans le bar, j'adore. C'est trop bien. Pouf, je vais vous filmer tout ça. Mais j'ai hâte, c'est parti. Let's go. Là, je vais attendre à la station de train parce que j'ai rien à faire. Pendant 2 heures, je vais aller manger à la station de train parce qu'il y a Starbucks, il y a tout et tout. Donc c'est parti. Let's go.
okay to dance today. Don't do that.